Le sambo comme le reste, même si le sambo est une création russe, c'est parti à la base de l'inspiration japonaise du judo du Kodokan, ramené par les experts au début du XXe siècle, et qui s'est marié après avec le système de lutte, avec la mentalité russe. Alors c'est intéressant parce qu'on a une démonstration. Un petit peu de tout. La démonstration est faite que donc le sambo c'est une technique un peu rugueuse comme dirait Sébastien. Alors en fait la démonstration qui nous est faite c'est qu'il y a une dimension sportive dans le sambo. Oui. Sans impact. Il y a ce qu'on appelle aussi le sambo combat. D'ailleurs Charlie Smith est vice-champion d'Europe, ce qui est une très grosse performance parce que les Russes sont monstrueux dans cette discipline. Et puis il y a aussi toujours un aspect self-défense extrêmement présente. Voici le sambo combat avec Charlie Smith de Clessouilly. Il avait été champion de France également, Charlie Smith. Oui, il est champion de France. Et donc là, on est sur une logique, vous voyez, qui se rapproche énormément de l'esprit du MMA, par exemple, avec de la boxe, avec des mitaines, pour pouvoir saisir, projeter, suivre au sol. On a même vu tout à l'heure un coup de tête qui est interdit dans la plupart des systèmes de MMA, mais qui, du coup, est pertinent dans une logique de self-défense pure. Le sambo prétend couvrir un petit peu toute cette dimension. Regardez, on est sobre hein, dans les saluts.